Les comités provinciaux de sécurité et de défense de la province de Haute-Uele ont accueilli le nouveau gouverneur de la dite province, son Excellence Jabakomito Gambou. C'était le 1er juillet 2024 à l'aéroport de Matari, situé dans la ville d'Isiro, chef-lieu de la province du Haute-Uele. Après avoir reçu les honneurs dignes de son rang, par une disposition de la police nationale congolaise, les chefs de l'exécutif provincial étaient accueillis sous une bonne ovation par une différente couche de la population en liesse. Après l'aéroport, son Excellence Jabakomito était parti présenter ses civilités aux membres du comité de l'Assemblée provinciale du Haute-Uele, où il a manifesté sa gratitude à l'égard du chef de l'État, président de la République, pour son investiture et aux élus provinciaux pour les travaux déjà abattus. C'est ici l'occasion pour moi et ensemble avec mon vice-gouverneur de bien remercier le chef de l'État qui nous a investis et qui nous a donné des directives claires pour que travailler en parfaite harmonie avec l'Assemblée provinciale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a insisté sur le fait que les pays a connu trop de problèmes parce que les provinces n'étaient pas stables. Il était donc important que nous, ensemble, développions dans le respect des textes légaux, comme l'a dit le rapporteur tout à l'heure, dans le message du président. Signalons ici que cet événement marque un nouvel élan de cette province.